Le développement. Aller vers les considérations, les raisons, les causes économiques, les causes sociales, les causes culturelles, les causes financières. Mais au-delà de ça, l'économie des institutions, c'est-à-dire qui permet de dire que une des raisons fondamentales du mal développement réside dans les déficits, dans la qualité défaillante des institutions. Ce qui nous ramène donc au rôle, à la qualité des institutions dans le succès ou l'insuccès d'une politique de développement. Et une des choses qui a été sérieux ou de relation, l'institution, la volonté, c'est qui s'exprime. Le choix, par exemple, la lutte contre la corruption, la lutte contre les conflits d'intérêts. C'est cela, finalement, les institutions peuvent soit consolider le lien social, parce qu'elles montrent dans la pratique, concrètement, chaque jour, dans les plans, ou au contraire, décrédibilisent les citoyens. Chaque jour, peuvent constater qu'ils n'ont pas leur compte. Deux options qui sont en fait, évidemment, dans les grands choix généraux, mais ont été traités, à mon avis, d'être approfondis. Ça m'a gêné avec les deux questions. Tu fais une belle chute. La première, des budgets financières, etc., elles sont un mot. En gros, on peut dire qu'on a l'image de la pompe aspirante, mais à rebours. C'est-à-dire qu'on a un système de finances publiques qui aspire des impôts sur, je caricature évidemment, mais c'est juste pour qu'on se comprenne, hein, qui aspire des impôts auprès du grand nombre des plus modestes et refoule, c'est-à-dire de ceux qui en ont le moins besoin. Et les politiques budgétaires en particulier, qui ont été conduites 15 ans dernières, les 5 dernières années, ont été une politique budgétaire orthodoxe qui s'est révélée déprimante pour la croissance sans pour autant régler le problème du déficit sur le budget dans des temps. Dernière question, c'est la question effectivement. Alors, derrière la question de la monnaie en vérité, j'ai pas le temps de détailler, mais j'ai une question qui va au de la politique dans ce pays. C'est la phase dite indépendante de la banque centrale. Que veut dire indépendante de la banque centrale? Vous savez que c'est une idée colportée depuis les années 80 dans la foulée de la vague néolibérale en Europe, aux États-Unis, etc. Très bien, c'est leur affaire. Mais nous, quelques années après, on mine. Donc en 2005, on a décrété que notre banque pouvait être dite indépendante. Premièrement, sans oublier quand même que le thème de monarchie exécutive qui est le nôtre, c'est le roi. Qui nomme le Wali de Montemarais. Le Wali de Montemarais, qui doit être indépendant, est nommé par le chef de l'État. Bon, on peut déjà se poser des questions sur cette particulière dite indépendance. Mais au-delà de la vraie question, les arguments pour, les arguments contre, on va être très objectif, hein, les arguments opérationnels, techniques, juridiques, etc. Il reste une question, je termine en chair. Que veut dire indépendance au gouvernement dans un pays? Vous imaginez, on sait que les banques ont une option aujourd'hui, centrale. Une option qui essaie d'inflation. Autant vous dire ça, c'est les experts montrent, c'est-à-dire qu'on fait le choix de lutter en priorité contre l'inflation au détriment de l'emploi. Ça n'échappe à personne. Et donc c'est un choix qui n'est pas simplement rationnel. Mais c'est là où le paradoxe continue. À un moment où tout le monde le voit, est-ce qu'il y a un problème d'inflation? Du temps, en quelques temps, il n'y a pas de problème. De toute façon, on est sur des rythmes de 1-2%. Alors que le chômage est à 10, voire pour 5 catégories, 5. Vous voyez donc le paradoxe. On a des gens que personne, je répète encore une fois, n'a élu, qui ne sont mandatés par aucune urne, qui conduisent concrètement des politiques qui objectivement accroissent l'indépendance. C'est très curieux. Mais en réalité, c'est un déni de démocratie, hein. Et on est donc encore une fois au cœur de cette collusion de l'écologie entre les. Je cite. Bonne chute.
rappeler qu'il était bienvenu que l'intervention soit le plus léger possible. Donc, l'intervenant, c'est là, qui va faire une présentation transversale que celle de notre ami Najib Arsidi. Rappelons encore une fois, les contributeurs ici présents peuvent prendre la parole et dire un petit peu ce qu'ils pensent, soit de leur contribution, soit de l'ensemble du travail. Merci encore une fois. C'est moi. Bonsoir tout le monde. C'est un vrai défi d'intervenir juste après M. Najib Arsidi. C'est vraiment un challenge pour moi d'être là aujourd'hui devant les chercheurs, professeurs, de retourner pour lui le travail sur le climat. Mais donc j'ai commencé à ce qui me semble assez essentiel, parce que moi j'ai reçu une génération qui a plutôt connu de la dictature du marché plutôt que celle du parti unique. Donc la première pose pour nous aujourd'hui, c'est la thématique qui est sans bien sûr oublier l'histoire et donc les enseignements d'histoire de la dictature du parti unique. Peut-être qu'elle a été représentée à Lyon. Pour nous, ce qui est le plus problématique aujourd'hui, c'est effectivement la question du chômage. Donc le fait de parfois surdiplômé, trouver un emploi qui puisse correspondre à une action personnelle. Et donc moi, je voulais commencer avec cette petite note sur le rapport de la jeunesse avec le monde politique et économique dans lequel on vit. Quand on nous dit que l'État ne va plus embaucher, quand on fait une thèse doctorale, quand on dit que les postes ne sont pas ouverts, il n'y a pas beaucoup de postes qui sont ouverts, et qu'on désire travailler notre pays, d'aller migrer dans d'autres contrées pour trouver du travail, on est confronté à cette dictature du marché qui impose à l'État de ne pas embaucher, même s'il a besoin effectivement, parce que quand on va enseigner dans les universités qui sont créées, on voit qu'il y a sur effectif d'étudiants, donc il y a un besoin assez important en matière d'enseignement, mais aussi dans le secteur de santé, etc. Le premier point que je vais aborder, le deuxième point que je vais aborder, il est aussi lié à la dimension politique et économique dans laquelle on vit, c'est que, disons que les médias, le discours ambiant, ils nous présentent à la fois les hommes, les académiques et les politiques marocains comme étant l'homme halal, le chikir de l'histoire. Alors qu'aujourd'hui, on a devant nous un certain nombre de chercheurs pour beaucoup d'entre eux, qui ont milité dans des instances syndicales et politiques et qui n'ont pas changé leur position politique. C'est, donc, on en a aussi au volet syndical et au volet des amis, des camarades. Donc, pour la jeune génération, c'est pas. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir à la fois pour trouver son chemin quand on veut être sérieusement un professionnel dans le métier qu'on fait, donc être. Tout le monde n'est pas corrompu. On peut avoir des professeurs universitaires, des médecins qui ne sont pas corrompus. C'est pas parce que certains dirigeants politiques qui ne sont pas élus sont corrompus que tout le monde peut être corrompu. C'est une relation quand même importante parce qu'il structure aussi le cheminement que prend la jeunesse marocaine qui va déterminer aussi les champs politiques et économiques du pays. Donc ça, c'est, je pense, c'est l'élément déterminant. Je remercie aussi mes collègues qui ont partagé avec moi ces moments de plaisir, de discussion et de travail sur préparation. Troisième point, je voudrais rendre hommage aussi au professeur Abdelkader Barada qui m'a permis aussi de m'insérer dans le groupe et de rencontrer les collègues de l'ENJ, Mohamed Saïd et Serbimo. Donc un petit remerciement au début. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais même faire une petite intervention juste en arabe parce que l'arabe. J'aurais souhaité le faire en amazir, mais peut-être ça va venir dans les années. Mais je trouve. بعد كتابات ديما على سبيل المثال الحصر كاين كتاب مثلا ديال اللي خرج مؤخرا ديال مونتيكال اللي هو مهم في هذه العربيه اللي هي ممتازه حول اقتصاد سياسي ابن مريم وانا كنتاكد على انها مساله محوريه لان باش نفهموا المجتمع المغربي ونفهموا الديناميه داخل المجتمع المغربي المساله اللغويه حتى هي كتلعب واحد الدور مهم لانها كتمكن في واحد الديناميكيات مختلفه
وكتمكن ان الايصال ديال اليوم في المغرب واحد السياسه ديال التعليم حتى ديال التعليم العالي وبالتالي جزء كبير ديال الشباب المغربي اليوم كيدرس ويعني كيعرف كيمدرس عنده واحد الدرايه اكبر بالعربيه ولا بلغته الام اللي هي الامازيغيه اكثر منه بالفرنسيه يعني ايصال هذه المعرفه شي كتقولي هو دور عندنا كمساله اليوميه. ثاني حاجه اللي هي ما هو سياسي وما فيهوش هذه المساله هذه انا كنعتقد انها نعم Ah, je vais revenir, je vais continuer ma présentation en français sur... Je crois que vraiment les langues, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, et j'espère vraiment qu'on pourra mettre à disposition bientôt, on a mis à disposition là, pour le moment la présentation en arabe et sur le site. J'espère qu'on pourra mettre à disposition une traduction arabe. Il y a aussi la traduction en anglais de la présentation. J'espère qu'on pourra mettre à disposition d'un lecteur plus large, d'un lectorat plus large, la version arabe. Voilà du point de vue l'intérêt de l'étude de l'économie politique au Maroc, ou du Maroc. Je pense vraiment que. Alors, moi je suis de formation sociologique, donc je ne suis pas économiste, j'ai une première expérience en tant qu'économiste et gestionnaire. Je ne suis pas orienté dans la sociologie économique et j'ai vécu un certain nombre de débats à l'étranger qui m'ont réorienté vers la question économique, la question d'économie politique. Alors, quels sont ces débats? C'est que, d'abord, la compréhension de l'évolution des structures économiques, elle a été. En grande partie analysée par des chercheurs ou des politiciens ou des penseurs qui n'avaient pas une spécialisation uniquement en économie. Quelqu'un qui était avant parlé de quelqu'un comme Marx, il n'est pas à proprement parler un économiste pur et dur. C'est quelqu'un, c'est un penseur qui mobilise à la fois la compréhension des structures sociales, des structures culturelles et des structures politiques. Pour comprendre l'évolution, la naissance du capitalisme et la transformation des différents modes de production. Lorsqu'on prend un autre penseur tel que Max Weber, qui s'est intéressé à la même question, plus ou moins, l'émergence du capitalisme, on voit qu'il se considère comme étant économiste politique, mais il est aussi